Dans ces 13 souvenirs que tu as emportés là-bas, il y a une chanson qui parle de ta maman, de ton enfance aussi. Mais c'est aussi une interprétation différente. Moi, j'aime bien parce que c'est complètement un autre swing, un autre rythme. Ah oui, mais c'est pour se l'approprier. Ouais. C'est vraiment le talent d'une Piaf, en fait, qui a réussi à fédérer la terre entière autour d'une chanson qui est très, très difficile de chanter, mais elle a un tel talent qu'elle nous connaît ça, quoi. Voilà. Ouais, ça fait partie de la bande-son de ta vie, sans doute. Ça fait partie de la bande-son de ma vie, absolument. C'est le titre de la chanson que tu vas nous chanter tout à l'heure. Absolument. Mais c'est vrai que c'est magnifique parce que toutes ces chansons-là font un tissu culturel dans notre pays qui nous réunit tous. Il y a aussi cette chanson, elle est célèbre aussi pour les petits pas que Piaf fait dans la chanson. Et en fait, ces petits pas, ils ont été inspirés par celle qui est l'exemple de Piaf, Marie Dubas, qui dans les années 30 chantait une chanson à Guadeloupe. J'ai retrouvé des images et c'est exactement les mêmes pas que dans la foule. Ah. L'album de Tété s'appelle Nu là-bas. C'est là-bas. Où là-bas? Là-bas, on peut y aller, là-bas. Ce sont ces endroits où j'allais jamais avant. En fait, avant de travailler sur cet album-là, j'ai réécouté les anciens. J'avais le sentiment d'entendre quelqu'un qui se cache, qui n'ose pas aller. Parler des choses qui émeuvent, qui n'osent pas se dévoiler. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre? Et j'ai fait une espèce de jeu avec moi. Je me suis dit, si tu partais sur une île déserte, avec 13, non pas livres, mais souvenirs qui te définissent, avec lesquels tu partirais. J'ai vraiment voulu. C'est pour ça que l'album s'appelle Nu là-bas, parce que j'ai voulu y aller nu, en arrêtant de me cacher derrière des formules de phrases, et là-bas, parce que c'est lointain ailleurs où j'allais jamais. Voilà. Parce qu'on les aime, tes formules de phrases aussi. Hein. Merci. Je suis la première fan, alors. Ouais, c'est vrai. Tu es fan de Tété. Ah, j'aime beaucoup, oui, depuis très longtemps. Et j'ai d'ailleurs chanté pendant un moment donné à la faveur de l'automne sur ma tournée. Ah, à la faveur de l'automne. Ouais. Tu nous offres. Bah, peut-être tous les deux, c'est pas prévu, hein, mais si vous voulez nous en fredonner comme ça, à cappella, un tout petit bout. À cappella pour c'est pas trop tard pour toi. Je sais pas, j'ai oublié mon solfège aussi. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme on fredonne. Douce, cette de vieille de mélodie. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie. C'est cool, super scopitone. Merci. Alors, ta maman, c'est dans Comment te dire, ton enfance, c'est de ce côté-ci du bonheur. Et puis, il y a celle que nous allons entendre maintenant, la bande-son. La bande-son de ta vie. De ta vie. Je te propose de rejoindre la scène de Shabada pour nous interpréter l'extrait de ce 5e album de Tété, la bande-son de ma vie, extrait de Nuit là-bas. Le bon refrain, le bon moment, le bon le son de ta vie. Un coup de rien, si fort pourtant, le bon le son de ta vie. Elle va trop bas et ému, comme on n'en voit guère plus, même rengaine. Temps après, les regrets, la douleur, ça va vu de près.
la bande son de ta vie. Un coup de rien, si fort pourtant, la bande son de ta vie. C'est un triomphe sur le plateau de Chavada, Tété, extrait de cet album de Tété, tout nu là-bas, et la chanson s'appelle La bande son de ma vie. Et puis vous retrouverez Tété en concert au Trianon à Paris le 19 mars prochain. C'est dans deux jours hein, le concert. Absolument. Et j'aime beaucoup cette idée de bande son de ta vie, le bon refrain au bon moment. C'est presque un titre qu'aurait pu prendre cette émission-là, la bande-son de ta vie. J'allais dire que c'est ce dont on a parlé depuis le début, finalement, en fait, c'est de ça. L'émission. C'est un peu ce dont on a parlé ça. Avec la chanson, la belle chanson que vous nous avez fait de au Renaud, début, qui parlait de cette actualité, qui nous a tous marqués. Ouais. Et c'est vrai que voilà, les chansons, c'est un peu des marqueurs comme ça d'époque qui restent. La bande-son de sa vie. Nicoletta, dans la bande-son de la tienne, il y a Brel, Oui, puisque je l'ai rencontrée débutante en 67, et elle avait sollicité ma participation à la comédie musicale qu'il préparait, L'Homme de la Manche, pour que je joue le rôle de Dulcinea. Et M. Barclay, qui était notre éditeur, producteur, lui a dit non, elle va me faire un album, tu lui laisses faire des chansons, je veux qu'elle me rapporte de l'argent. Elle n'a pas voulu me laisser partir avec Jacques, et je fais mon deuxième album, un ou deux ans plus tard, avec Il est mort le soleil. Et il me dit, Barclay, pourquoi tu ne demandes pas une chanson à Jacques? Je dis, je vais lui demander. Et il me dit, non, je n'ai pas le temps, je tourne un film. C'était mon oncle Benjamin. Mais tu prends dans mon répertoire, ça me fera très plaisir. Alors évidemment, j'ai choisi Quand on n'a qu'un amour. Et c'est là, je crois que je suis la première personne à l'avoir reprise. Il a fait une chose incroyable que les gens font moins aujourd'hui. Il a dit, envoyez-moi la petite, je vais faire un reportage photo pour l'aider. Il était content de ma merci. J'étais de 47 tours, Brel était avec moi. Il a son costume du film. Et il m'a mis sur son cheval blanc de chevalier. C'est super. Et j'en ai un souvenir magnifique. Et tu l'as encore cette pochette Bien sûr, tours. Elle est collector. Elle est collector. C'est à 45 tours, elle est collector, elle existe. Quand on n'a que l'amour, on t'écoute. Mais bien sûr, je vais la chanter. Que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour doit guérir pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveille et couvrir de feu la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et qu'une chanson pour convaincre d'amour. Alors sans faire moyen que sa force dit, nous aurons dans nos cœurs amis le monde. Merci.
c'est une version un peu de blues. Ouais, j'aime bien m'amuser. Et bravo les enfants. Bravo. Blues et jazzy avec des arrangements différents. Quand une chanson est excellente, et Dieu sait que celle-là, je chante avec Morane quand elle m'invite dans ses concerts, chacun sa façon de s'approprier, parce que c'est une chanson tellement universelle qui a fait le tour du monde. Je l'ai entendu par Bowie, elle est magnifique. Je l'ai entendu par Manchumann qui avait créé un spectacle à Greenwich Village en 68. Jacques Brel, Is the Louis Alive, Essaying in Paris. Et je me dis, tiens, il dit adieu, et il est à New York. Je croyais que c'était lui. J'ai commandé des tickets. Non, c'était Manchumann. J'ai rencontré Manchumann. Et il a traduit tout Brel en anglais. Hein, je voyais que tu regardais Nicoletta avec beaucoup d'admiration. Oui, avec les petites larmes qui arrivent à la fin. Bah, c'est toujours impressionnant à 2 mètres comme ça, de voir une telle interprétation. Je crois que c'est ça, surtout à chaque fois, qui m'émeut et qui me fascine. C'est de voir, oui, à quel point une chanson peut être universelle, à quel point on l'a entendue dans 10 000 bouches aussi, et dans 10 000 voix. Et qu'il y a quelque chose toujours encore d'aussi moderne et de frais et de nouveau, c'est... Voilà. C'est parce que la chanson est très bonne. Oui, et il faut être une belle interprète aussi pour reprendre des mots qui ont été entendus pour beaucoup de gens. C'est gentil. Oh, vous n'avez pas besoin de moi hein, pour le savoir. Jacques ? Cette chanson a une particularité. D'abord, c'est le premier succès de Jacques Brel et surtout... Il avait du mal à écrire la chanson d'amour, donc il a fait une chose, il a pris un dictionnaire de rimes, et il a pris toutes les rimes en ours, et c'est à partir de ça qu'il a fait la chanson Quand on a que l'amour. Et ça, c'est à peu près la seule fois où il écrit une chanson de ce genre. Après, ne me quitte pas, c'est généraliste. D'accord. Nicoletta, l'année dernière, tu as fait un duo avec Joe Star. L'année dernière, Didier, je l'appelle Didier. Didier, oui. M'a invité. C'est vrai qu'entre vous, entre rappeurs. C'est normal, je suis dans la place maintenant. T'as vu, j'étais. Dans la place à fond. Didier me téléphone, me dit écoute, voilà, j'attends les droits, mais la semaine prochaine, le studio, tel endroit, tu viens. Je ne savais même pas ce que j'allais chanter. Et j'entends une nouvelle version de Mamie Blue, réalisé par un môme incroyable qui s'appelle Kim Fu, qui a un talent de folie. Et comme j'ai participé à plusieurs concerts de Didier, chaque fois il m'invitait, j'ai même fait ton émission, et donc mon mari un jour dit, je vais aller le voir, ce petit, c'est lui qui va faire ton album. Je me sauve pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse mon album? Des rappeurs, du hip-hop, mais c'est oh. Et puis il a dû lui demander, qui me dit, je vais réfléchir, un quart d'heure, il revient. Ouais, d'accord, je vais tenter le coup. Et il a fait un amalgame de tout ce que j'ai fait dans la soul, et il s'est mis à compter des nuits. On a mis presque un an pour travailler, et je suis très fier de ce nouveau bébé. Il est là avec nous, Kim Fu, aujourd'hui, d'ailleurs. Vous le voyez en ce moment, il se prépare avec son ordinateur, ses platines, pour t'accompagner. Il y a dans l'album aussi un duo avec Jay Star, un duo avec Florent Pagny. Oui, dans mon album. Ouais, et puis il y a Petite Sœur, la chanson que tu vas nous interpréter maintenant. C'est toutes les filles que j'aime, de la plus petite à celle de mon âge, parce qu'on est toutes des petites sœurs. Voilà, Margot, Jiki, choriste, t'attends sur scène, Kim Fu aussi. C'est ta nouvelle bande de potes, hein, les amis de Nicoletta, pour cette chanson extraite de l'album de Nicoletta qui s'appelle Ici et ailleurs. Petite sœur. Une rencontre et c'est déjà la vie.